Hello tout le monde, on se retrouve pour mon haul de la semaine. Alors, le haul de la semaine, j'ai pris ceci. Alors, c'est des dies en français. Voilà, donc c'est le set à 6,95. Et on a les mots de moi à toi, bonheur, juste un mois, juste un mot, pardon, meilleur vœu, un jour spécial, bonne chance, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, voilà. Celui-là, c'est celui qu'on avait dans le kit, dans un des kits, c'était lequel? Kit page, je crois. Celui-ci, voilà, le kit page numéro 1. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fini ma collection Versa Magique. Ça y est, on n'en parle plus. Je l'ai fini, comme pour les polychromos. Il m'en manquait 4, du coup, j'ai pris les 4. Voilà, donc j'ai pris la 6 brises, brise de mer. J'ai pris la persimmon, donc c'est... plaque minier du Japon. Voilà, c'est en orange. Hein. Ensuite, j'ai pris la chaume et pourpre pensée. Voilà. Donc ça, c'était les 4 qui me manquaient. Donc c'est 2,30€ le pad. Ça ressemble au Distress Ink. Les Distress Oxydes, non, mais les Distress Ink, oui. En fait, elles ne sont pas oxydées. Donc, ça ne peut pas faire comme les oxydes. Ensuite, j'ai pris la nouvelle collection qui vient de sortir. Attention. Et là, j'ai pris de quoi faire, vous allez voir. Alors, j'ai pris, on va en commencer par les tampons. Voilà, alors, les tampons. J'ai pris, ils sont tous au même prix, de toute façon, je peux vous les montrer dans n'importe quel sens. C'est 5,95€ la planche. Donc, on a celle-ci avec les fleurs. Vous verrez mieux de ce côté-ci, voilà. Avec Everything is fine when there is sunshine et Memories stay forever. Donc là, on a une superbe branche de fleurs avec les petits coquillages. Voilà. On a également celui avec l'hippocampe. Donc ils sont super grands. Hein. Donc là, on a l'hippocampe et puis le petit coquillage et Treasures of the Ocean. J'essaye de vous caler, mais c'est pas facile. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, donc un grand hippocampe. Ensuite, la troisième planche que j'ai prise, c'est celle-ci, donc très très sympa. Avec, donc on retrouve l'ananas. Donc là, c'est Tropical Sunset and Palm Trees. Donc on a les feuillages, des petites fleurs. J'adore ces petites fleurs-là. Et donc l'ananas et ses feuillages. Et le dernier, c'est celui-ci, donc qui s'appelle Beach Life. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve soit sur la plage, soit dans l'eau. On a également les petites bulles et Life is better at the beach. Donc la vie est meilleure à la plage. Voilà. Donc ça, c'était pour les tampons. Donc il y en a 4 à 5,95€. Ensuite, j'ai le paper pad à 5,95€. Donc là, je l'ai pris dans les tons bleus, mais il existe aussi dans les tons roses. Donc je vous montre. Donc. Voilà, on a quatre feuilles pareilles à chaque fois. Voilà. Donc, très joli, là, ça fait les vagues. Le phare, il est magnifique. Il est magnifique. Ensuite, on a celle-ci, on est carrément sous l'eau. J'adore, avec l'hippocampe, là. Le crabe, la pieuvre. J'adore. Voilà, ici, on a l'appareil photo sur la plage avec les polaroïdes. Ensuite, on a ici une feuille unie bleue. Ça peut toujours servir. Une feuille unie mais bleu turquoise. Et enfin, une feuille unie bleu turquoise clair. Voilà. Qui tire un peu sur le vert d'ailleurs. Donc ça, c'était pour les papiers. Ensuite, j'ai également pris évidemment le die-cut block. Et vous allez voir, les die-cuts, ils sont magnifiques. Oui, bah oui, j'ai pas pu attendre et puis je l'ai feuilleté. Voilà. Donc regardez-moi ça. Ici, on a les tongs, le polaroid, des petits mots, l'appareil photo, les petits coquillages. Donc là, pareil, on a deux pages pareilles. Ici, on retrouve tous les petits coquillages. La tortue, elle est trop belle. L'hippocampe, le poisson. Des petits messages. La bouteille à la mer. Encore une tortue. Donc là, c'est exactement les mêmes sur les deux pages. Ici, on retrouve... J'adore ce combi Volkswagen. J'adore. On a les glaces, les lunettes, les petits panneaux, l'ananas qui revient, les glaces encore, le cocktail, le chapeau de soleil. Ensuite, ici, on retrouve la fleur de tout à l'heure. Donc, celle-ci, c'est le tampon que je vous ai montré ici. Voilà, vous l'avez reconnu en die-cut. Mais c'est exactement cette fleur-là.
Et moi, je l'ai prise aussi en tampon. Voilà. Mais je pourrais, par exemple, colorier par rapport à ma fleur ici du die cut. Ensuite, on a les coquillages. L'hippocampe dans sa bouteille. Encore une petite bouteille à la mer. Les coquillages. On a quoi d'autre encore? Ici, on a carrément la voiture pour partir en faire du surf. On a encore le chapeau de soleil. Un polaroid avec une tortue. Le sac de plage. Les lunettes. Des petits sentiments. Ensuite, ici, on retrouve l'hippocampe. On retrouve la tortue encore, la queue du dauphin ou du requin, la pieuvre. Ici, pareil, on retrouve le palmier, le combi, les petits sentiments, les bateaux à la mer. Donc ça, on peut utiliser. Il y avait une planche, je crois que c'est Abraham Marlène qui a une planche avec ses petits bateaux. Les fruits. Et puis les planches de surf, évidemment. Ici, on retrouve nos fleurs. Et puis des petits messages. Ici, on retrouve le dauphin. Donc ça, ça ira très bien avec la nouvelle collection Studio Light aussi. Je vous ai présenté la semaine dernière. On a également les bouteilles à la mer. Et c'est tout. Voilà, donc il y a plus ou moins 300 die cuts dans ce bloc. De quoi faire de belles choses. Et enfin, j'ai pris des dies. Alors, le die, alors le bloc de die cut est à 6,95. Les dies, j'ai pris le 229, celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci, il y a une, deux, trois, quatre pièces. Et on a ceci en fait. Donc on peut enfermer cette carte-là avec tout un entour, tout un cadre. On peut également mettre une photo. Enfin, il y a tellement de choses à faire. J'ai également les coquillages et les petites algues là. Voilà. Donc on a là, il y a l'entourage aussi. Oui, oui, oui. Donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six pièces. Il y a 6 pièces parce qu'en fait ici pareil le coquillage on a l'extérieur et l'intérieur du coquillage et celui-ci on a l'intérieur et l'extérieur du die. Il y en a plein d'autres, je pense que je les reprendrai, mais pour l'instant déjà je vais tester tout ça. Et enfin j'ai pris celui-ci, donc c'est le Coral Fish, et dans celui-ci on retrouve donc le coquillage et les poissons ainsi que la grande algue. Et donc après sinon on a aussi celui-ci pour la bordure, donc celui-là je pense que je le prendrai à un moment. Parce que ça fait une énorme bordure là, pour faire des pages de planeur, des pages dans un album, etc. Un peu comme je vous ai montré dans White Your Story. Ici, c'est pour faire la carte coquillage. Ici, on a les palmiers. Et ici, pour le sac de plage avec les tongs. Voilà. Dans cette collection-là. Donc, pour cette collection, je vous ai tout montré. Voilà, donc c'est la Take Me to the Ocean. Donc, je vais essayer de tester tout ça prochainement. Voilà, voilà. Vous verrez ça. Ensuite, j'ai pris quoi? Alors oui, j'ai pris une nouveauté. Ceci. C'est un ATC 7. En fait, on a un ensemble de dies et de tampons. Pour les ATC, donc ça c'est 10,95. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dies et 2 tampons. Voilà, donc ça donne ceci. En fait, on a l'extérieur de l'ATC pour faire l'intérieur de l'ATC. Faire des nuages, l'herbe. Ici, ça doit être une étiquette. Ouais, c'est ça, c'est l'étiquette. Et enfin, ici, ah oui, ici, on met peut-être les deux. Bah non. Alors attendez, parce que là, je ne l'ai pas celui-là, moi. Si, c'est celui-ci. C'est ça, c'est pour faire une forme arrondie. C'est pour faire une forme arrondie. Voilà. Et si on met les deux ensemble, ça donne ceci, en fait. Voilà. Donc voilà pour ça, donc c'était 10,95. Ensuite, j'ai repris des sentiments en français. Ça va tomber. En français, donc là j'ai pris celui-ci qui est à 5,95. Donc il n'y a quelle bonne nouvelle. C'est un garçon, c'est une fille. Félicitations aux nouveaux parents. Bienvenue, je te porte dans mon cœur, monsieur et madame. Je pense à toi, douce pensée, communion. Bon anniversaire, mille merci, petit bonheur, courage et un petit mot doux. Voilà, donc ça c'est 5,95. Ensuite, j'ai pris des choses comme ceci. Voilà. Donc, c'est la nouvelle collection de Prompty. Et j'ai pris ceci. Donc, vous savez que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Et je les adore parce que sur la gel presse ou même en tant que tampon, ça fonctionne super bien. Alors, les trois, ils étaient à 7,95. Et c'est des petits poissons. Voilà. Donc, ils sont super épais, forcément, puisque c'est des tampons foam. Foam tampon. Voilà, donc c'est très épais.
mais ça tamponne super bien et sur la gel presse ça permet d'avoir des empreintes. Voilà, donc ça c'est 7,95. Donc là on a des lignes, ici on a des poids et ici ça fait comme des petits V. Voilà, ensuite j'ai aussi pris ceci à 4,95. Donc ça c'est des stickers en anglais, mais c'est des petits stickers mots qui vont avec la plage en fait. C'est la mer. Take me to the ocean, donc qui va avec par exemple notre nouvelle planche, enfin notre nouvelle collection. L'océan m'appelle, la sirène du cœur, grand rêve, petite sirène, plage s'il vous plaît. Donc il y a tout ça, voilà. Donc il y a tout à faire. Et je pense que sur des cartes, sur une page de Art Journal et tout ça, ça sert, c'est toujours utile. Alors même si c'est en anglais, il suffit de traduire une fois et puis voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'était 4,95. Ensuite j'ai pris celui-ci. Donc celui-là, c'est pour faire des vagues, voilà, tout simplement, en A4. Hein, parce que Ponty travaille beaucoup en A4, bien que j'en ai un à 5 après. Mais... Donc celui-là, il a 5,95 et c'est pour faire les vagues. Voilà. J'ai hâte, j'ai hâte. Ensuite, j'en ai pris un autre. Donc là, c'est en A5. Bon, le A4, il va tomber. Donc là, j'ai pris en A5 celui-ci à 4,95. Donc on a toujours les vagues ici ou ici. On a des bulles tout autour. Et on a les poissons au milieu. Donc là, on peut utiliser soit comme ça pour faire pochoir, même pour faire des lignes au crayon. Ici, pareil, hein, ça peut faire un très joli pochoir. Non, j'aime bien. J'aime bien. Pour 4,95, ça va. Donc voilà. Et enfin, j'ai pris ceci. J'avais déjà des tags hein, comme ça, vous vous rappelez, je vous avais déjà présenté cela avec donc comme des nuages ici. J'en ai déjà utilisé pas mal. Et bah, quand je fais des petites créas pour vous, c'est pratique en fait. Parce qu'ils sont déjà prêts. Et donc là, j'ai pris en forme comme ceci. Donc c'est 10,50. C'est du 300 grammes. Et il y en a 3 x 20. Voilà. Donc 60 au total. Mais il y en a 20 blancs, 20 craft et 20 noirs. Voilà. Donc voilà. C'était juste pour avoir de quoi faire encore. Ensuite, j'ai des nouveautés de Marianne Design à vous présenter. Donc ça, c'est le nouveau pour juillet. Alors, dans ce nouveau catalogue, on va retrouver des cadres comme ceci. Donc ça, c'est des dies cadres pour faire comme là, par exemple. Donc là, il est à 16,95. Celui-là, je ne l'ai pas cherché, c'est en allemand. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Ensuite, tous les tampons là sont à 6,95. Donc on a celui-ci pour faire le petit chemin et les papillons. On a celui-ci qui fait cette fleur-là. Et enfin, on a celui-ci ici. Donc, c'est un arôme. Donc là, c'est 6,95 chaque planche. Ensuite, on a le papier. Donc, le bloc de papier est à 5,95. C'est du A4. Et il y a 16 feuilles avec 8 motifs différents. Ensuite, on a les images. Donc, comme on retrouve ici à l'arrière, à 80 centimes, il y en a 6. Donc, je vous en avais déjà présenté quand on a fait certains kits. Ensuite, ici, on a deux sets de dies. Donc là, il y a deux pièces. Ici, il y a deux pièces. Ici, avec les ronds au milieu. Donc en fait, on a le contour de la carte comme ici. Voilà, vous avez les contours. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre le checker. Donc là, c'est 18,95 le set de deux pièces. 18,95 le set de deux pièces. Et nos petites checkers ici, à 4,95 les 10 pièces en rond et 4,95 les 10 pièces en carré. Donc on retrouve en exemple ici. Ensuite, on a une page à découper. Pareil, les images, on les retrouve donc sur nos cartes à 80 centimes. Et là, il y en a 6, 7, 3, 9 et 2, 3, 12. Voilà, il y en a 12. Ensuite, ici, on a un set de dies, de 12 pièces de dies. Donc, astronaute. Voilà, c'est l'astronaute. Donc, on le retrouve ici, par exemple. Donc, si vous avez déjà la souris, forcément. Hein, sinon, bah, vous n'avez pas la souris dans le set. Ici, il n'y a que 12 pièces. Mais vous pouvez faire les étoiles, la petite fusée, là. Je sais plus comment que ça s'appelle, enfin voilà. Donc là il y a 12 pièces et c'est 13,95. Ensuite on peut faire la montgolfière, donc là il y a 10 pièces, 11,95, et vous pouvez réaliser donc la petite montgolfière là. En utilisant les deux, vous obtenez ceci. Ensuite là il y a des mots, alors c'est des tampons, il y en a 16, mais c'est en anglais et c'est à 6,95.
Ensuite, on a les pochoirs. Donc là, on a le pochoir justement astronomie, hein, c'est tout ce qui est étoiles, planètes, à 5,95. Ici, on a que des, on a encore des étoiles, hein, c'est que des étoiles à 5,95. Et ici, à 5,95, donc c'est des pochoirs à 4. Et ici, c'est plus la pluie, et puis je ne sais pas trop là. Et je ne l'ai pas en exemple, donc je ne pourrais pas trop vous dire. Là, c'est la pluie. Enfin, là, ça peut faire feu d'artifice, par exemple. Ensuite, on a 5 pièces ici. Ça fait le petit message au milieu, comme ici, à 12,95. Ou alors celui-ci avec l'alphabet au milieu, il est à 15,95. Ici, il y a 5 pièces. Ici, il y en a 8. Voilà. Et ici, on a des feuilles à découper. Donc, c'est avec les gnomes, à 80 centimes. Voilà. Donc là, il y a les gnomes derrière. On retrouve ici. Ensuite, on a ici un petit dies avec les feuillages, comme ça. Donc, il y a 4 pièces à 5,95. Ici, on a encore 5 pièces. Ici, c'était Noël. Là, c'est pour les anniversaires. 12,95. On retrouve à l'arrière, donc la dernière page est consacrée pratiquement à l'hiver. On a la pièce ici à 10,95. Donc, je vous l'ai présentée pour faire les ATC qu'on retrouve ici. On retrouve les petits bonhommes de neige ici avec 3 tampons pour faire par exemple ceci à 6,95 et 3 tampons comme ceci à 6,95. Ils font, les ronds font à peu près 4,7 cm de diamètre. Voilà. Et enfin, ici on a le dies, donc 4 pièces, 11,95 pour former les fenêtres comme là. Je crois pas qu'il y en ait ailleurs. Non, je pense pas. Et puis là, bah, là la carte a été faite aussi avec ça. Voilà. Donc là, on retrouve ça. On retrouve donc dans la première carte ici, on retrouve le set de tampons et le dies pour faire les cartes. Ensuite, on retrouve ici le papier perlé. Alors là, c'est du A4, 6 feuilles, 250 grammes. Et c'est un blanc perlé. Voilà. C'est 4,95 les 6. Ensuite, ici, c'est que des planches de stickers à 1,95 €. Et il y a 15 stickers sur chaque planche. Pareil, c'est sur l'hiver, Noël. On en a en anglais et il y en a en allemand. Voilà. Et enfin, ici, on retrouve ce qu'ils appellent les... Je ne sais plus. Produits assortis. Il y a deux sets de dies. Donc ici, pour faire la lanterne. Ici, pour faire des étiquettes. Et enfin, ici, on a tout un assortiment dans les couleurs de Noël, hein, de rubans. Et ça, c'est 9,95. Donc voilà pour les petites nouveautés. Je pense qu'en juillet, on devrait recevoir le nouveau flyer de chez Studio Light. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Pour celles que ça intéresse, je sais déjà que le 7 juillet, enfin aux alentours du 7 juillet, parce qu'il y a toujours des petits retards, il y a la nouvelle collection donc Studio Light Vintage qui sort. Sans oublier la collection que je vous ai déjà présentée, mais qui sort que le 7 juillet de Art by Marlene. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et à demain. Ciao, 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 ciao.